J'attends. Et oui, une éclosion d'œufs en direct. Je suis sans mots. C'est tellement beau. Oh là là. Je passerai des heures à regarder. Quand on voit la taille d'un petit poussin et le travail et l'effort que ça demande pour pouvoir sortir de sa coquille, c'est juste incroyablement beau. On aurait tenté de l'aider, mais non. Il faut que la nature se fasse et se fasse d'elle-même. Bon, je dis pas, hein, je veille quand même, hein, si je vois que ça prend trop de temps. Je le laisserai pas tout seul dans sa coquille. Mais bon, je crois qu'il se débrouille très bien, le petit père. C'est rare de pouvoir assister à une naissance comme ça. Quand c'est la maman qui couve en couveuse automatique, oui. Mais là, sous la poule, c'est juste formidable. Je suis mais ravie. Regardez-moi ce travail. Tellement beau. Tu attends. Faut y aller par là. Non, non, Piu-Piu, tu rentres pas. Tu retourneras après. On va éviter de mettre la pagaille. Hein, la pépette. Oui, oui, tu attends. Là, j'ai une autre des mamans qui a couvé, qui voudrait rentrer, mais j'ai peur qu'elle aille déranger cet œuf qui est bientôt éclos. Ah non, pas mon téléphone. Attends, poulette, attends, pépette, attends, tu vas y aller. Attends, voilà, regarde donc. C'est magnifique. Oui, oui, tu vas y aller, attends, 2 minutes. De pousser un petit peu les bébés pour voir cette arrivée. Attention, viens là, viens là. Voilà, hop. On y est presque. Il n'y a plus qu'à mettre ce petit bout de chou au chaud sous la maman. Thank you.
Levez-vous un petit peu, laissez de la place au petit. Là. Hop là. Voilà. Hop là. Mets-le en dessous. Voilà. Hop.